Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la rotation de novembre. Et oui, c'est déjà novembre, le mois d'octobre est déjà passé. Alors comment ça s'est passé en octobre? J'avoue que la fin du mois d'octobre, j'ai pas trop respecté ma rotation. J'ai pas trop respecté les produits qu'il y avait dans mon panier parce que j'avais envie de changer. Voilà, parce que je m'ennuyais. Donc du coup, j'ai tout rangé. Et puis, allez, on va dire les 10 derniers jours d'octobre, j'ai pris ce que j'avais envie de prendre comme maquillage. Donc, je n'ai pas trop respecté. J'ai quand même fait un panier pour le mois de novembre pour essayer de respecter une certaine rotation, d'utiliser mes produits. Voilà, d'essayer donc d'utiliser des produits que voilà, je vais pas trop vers eux et du coup c'est bien quand même de se forcer un petit peu parce que souvent c'est des produits qui sont plutôt sympas en plus. Donc voilà quoi. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a des petites nouveautés parce que j'ai fait une petite entorse à mon no-buy depuis le mois d'août. En fait, j'avais une carte cadeau Kiko. Donc j'ai pas dépensé de sous en fait, mais j'ai dépensé ma carte cadeau parce que je vous ai filmé une vidéo exclusivement sur le maquillage Kiko. Et donc j'ai acheté des produits de la collection permanente et des dernières collections de Noël et des collections capsules juste avant. Elles sont magnifiques et donc voilà, je ne me cherche pas d'excuses, mais ben voilà, je vous explique que j'ai fait un petit coup de canif dans le contrat no buy jusqu'au Black Friday. Voilà, donc on y va. Je vous montre ce que j'ai mis dans mon petit panier. Ça, c'est mon petit panier donc du mois. Et puis je vous montre ça rapidement. Donc, alors, on va démarrer avec les fonds de teint. Donc les fonds de teint, donc je garde ma base Glowish en fait, que j'adore, hein, que je vais essayer de tout, vous voyez, de terminer. Elle est déjà bien bien avancée cette base. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc je me sers de ça. Et ce mois-ci, pour les fonds de teint, j'en ai pris deux. J'ai pris un fond de teint que j'aime pas trop, c'est le Bourjois, c'est le City Radiance. C'est un fond de teint qui est en anti-pollution. Il a un SPF de 30, c'est vachement bien. Mais en fait, je l'aime pas trop trop. Mais couplé avec celui-là, qui est beaucoup trop clair pour moi, c'est une bébé crème de chez Misha qui est vraiment chouette. Donc je l'ai en deux couleurs. Mais celle-ci, la 23, elle est un petit peu claire. Et en fait, quand je mixe les deux, eh ben, le combo est plutôt sympa. Et donc du coup, j'ai décidé de me servir de ça quasiment tout le mois de novembre. Donc ça, ce sera ma base de teint, mon fond de teint pour le mois de novembre. Ensuite, on continue. Les correcteurs, les anti-cernes. J'ai trouvé chez Kiko de la collection Charming Escape. C'est la collection, pas la collection Noël, pas la collection juste avant, mais celle encore juste avant. Kiko fait énormément de collections, au moins une tous les 2 mois quasiment. Un super anti-cerne, vous voyez, c'est un anti-cerne avec un embout mousse comme ça. Et il est super, super fin, très, très léger, très fin. Il est vraiment, vraiment chouette. Et donc, comme il est tout neuf, évidemment, vous savez que quand on a des choses toutes neuves, ben, on a envie de s'en servir. Donc, c'est normal. Donc je le mets dans ma rotation avec le Can Stop Won't Stop de chez NYX, qui est un correcteur très couvrant. Il en faut très très peu pour mes yeux qui sont marqués. Il faut que je fasse très attention. Mais je l'aime beaucoup quand même parce qu'il est assez couvrant et il est plutôt sympa. Donc je le mets dans ma rotation. Mon correcteur de Charlotte Tilbury, toujours. Hein, le correcteur, je vous montre ça. Comme d'habitude, c'est une couleur un petit peu orangée qui va bien 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 camoufler mes cernes. Donc ça passe dans ma rotation, évidemment. Ensuite, j'ai sorti deux poudres. Vous savez que je ne me poudre pas le visage, j'ai la peau très très sèche et c'est très très rare quand je me poudre le visage. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer de me poudrer le visage parce que pour voir si en fait mon maquillage tient mieux dans la journée. Donc j'ai ma poudre dont je me sers quand même pour le dessous de mes yeux de temps en temps, celle de chez Kiko, qui est de la collection de Noël de l'année dernière, qui est vraiment pas mal. Et j'avais aussi récupéré l'année dernière à Noël, dans des petits coffrets qui ne coûtaient pas trop trop cher, une petite poudre de chez By Terry qui est très très bien, qui a une super réputation en fait, parce qu'elle n'est pas desséchante. Et en fait, je l'utilise pas beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas une habitude que j'ai de me poudrer. Et donc, j'ai décidé ce mois-ci d'essayer
de me poudrer un peu plus le visage pour voir si je vois une différence en fait, si vraiment se poudrer le visage, c'est magique comme voilà ce qu'on voit voilà dans toutes les vidéos, toutes les nénettes, tous les gars, voilà, tout le monde se poudre le visage. Je vais voir, voilà, je vais voir si pour moi c'est ça fait une différence. Donc voilà. Ensuite, on passe au bronzer. Les bronzers, eh bien, j'ai ressorti le Physicians Formula qui est vraiment un super, super bronzer, vachement crémeux. Il a une odeur un peu de noix de coco. Il est déjà bien, bien entamé, hein, et on ne voit plus, vous voyez, il est bien entamé. C'est un bronzer qui est assez satiné, voilà, il est très très joli. J'aime beaucoup m'en servir. Donc ça, j'ai sorti pour ma rotation avec plaisir. Je garde également le bronzer crème de chez Fenty, qui est vraiment un chouette chouette bronzer. C'est le seul bronzer crème que j'ai, donc je le garde pour ma rotation. Et puis cette semaine, donc chez Kiko, je me suis trouvé le bronzer de la collection Precious Rituals. Qui est, vous voyez, le packaging est magnifique. C'est une boîte en bois comme ça. C'est très très joli. Et alors, je peux vous dire que ce bronzer-là, si vous voyez ça, il est très très beau. C'est vraiment, il a une super bonne odeur, un peu de cannelle. Il sent vraiment super bon. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il est vraiment super super beau. Il est là, vous voyez. Il est magnifique, il est vraiment, il s'étale super bien, il est d'une super bonne qualité comme la plupart de tous les bronzers qui courent. Je vais vous dire, ils sont tous super. Donc voilà, évidemment, produit neuf dans ma rotation, bien entendu, normal. Ensuite, on passe aux blushs. Les blushs, trois petits blushs. Un blush de chez Colourpop, très foncé, vous voyez. Il est assez foncé. C'est le Brut Flûte, c'est un super choc chic, hein. Donc toujours pareil, je me régale à mettre les doigts dedans. Voilà, c'est un bronzer qui est très 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 satiné, vous voyez. Donc là, quand je mets ça, souvent je mets pas d'highlighter. Hein. Voilà, il est très satiné, mais il est hyper joli. Et là, il a l'air impressionnant comme ça. Mais quand on l'étale un peu, je peux vous dire qu'il fait un effet, voilà. Il est du plus bel effet, hein. Il est vraiment vraiment chouette. Un autre blush de chez Kiko, de la collection de cet été, Fruit Explosion, un blush liquide cette fois, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore me servir de ce blush-là, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Vous voyez, il y a des produits, c'est marrant, hein. Il y a des produits, on les aime bien, voilà, quand on se maquille, mais il y a des produits, quand on s'en sert, c'est... Voilà, rien que de le voir, on se dit, oh chouette, je vais m'en servir. Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer. Donc c'est un blush, voilà, qui est crème comme ça. Et il s'étale très très bien avec un pinceau bien dense. Et il fait une peau très hydratée. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment super ce blush. Je ne sais pas si on le trouve encore. Je ne suis pas certaine. Dans les promotions, faudrait aller voir. Il est vraiment chouette. C'est un vrai plaisir de m'en servir. Et puis, j'ai acheté aussi, chez Kiko toujours, un blush de la collection permanente cette fois. Ça, c'était pour vous faire la vidéo de Kiko. Le packaging est vraiment chouette, hein, vous voyez, c'est très joli. Il y a un petit miroir. Et donc, j'ai pris cette couleur-là, vous voyez, c'est très, très, une très belle couleur aussi qui va pour tous les make-up. Donc, ça, c'est vraiment un très joli vieux rose. Je l'aime beaucoup, produit neuf, donc évidemment dans ma rotation, bien entendu. Génial. Highlighter maintenant. Alors, j'ai deux highlighters liquides. J'ai un petit que j'avais eu dans une box, c'est de Ilamasqua. Il est très très chouette. C'est un tout petit comme ça, vous voyez. Donc celui-là, je le mets dans ma rotation. Je vais vous montrer un petit peu l'effet qu'il a. Il est super. Il est assez voyant. Hein. Il n'est pas très discret celui-ci. Donc très joli. Et alors, j'en ai un qui ressemble un peu à un BK, mais le BK, je n'aime pas du tout l'odeur qu'il a. Que lui, il n'a pas d'odeur. Donc, vous voyez, plutôt sympa. Un de chez Kiko, que j'ai eu cet été aussi, de la collection Dolce Diva. C'était la collection juste après la Fruit Explosion.
qui est donc qui se présente comme ça. En fait, c'est un peu le dupe de celui de Charlotte Tilbury, en beaucoup moins cher. Et vous voyez, pareil. Ils se ressemblent un petit peu, hein, tous les deux. Hein. Tous les deux se ressemblent un petit peu. En revanche, celui d'Ilamasqua, il est beaucoup plus épais, vous voyez, que. Alors là, on ne voit pas très bien. Celui-ci est très fin, en fait, celui de Kiko. Donc, pour le boulot, ça va être parfait. Et j'ai ressorti celui-ci, qui est de la collection de l'année dernière de Noël, de By Terry, que j'avais eu en solde. Je l'avais payé très peu cher par rapport au prix. By Terry, c'est quand même assez cher. Il est superbe, c'est un vrai plaisir de l'utiliser. Alors en plus c'est un vrai bijou, hein, vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment super beau. Et donc voilà quoi, il est très joli. Oh, je suis vraiment nulle. On voit pas très bien. On voit pas très bien, mais il est très très fin. Il est un peu plus doré que les deux autres, donc ça va être parfait. Voilà pour les highlighters. Les rouges à lèvres. J'en ai sorti moins parce qu'en fait, je pioche un peu au fur et à mesure. Voilà. Donc les rouges à lèvres, je me suis dit, au niveau de la rotation, on va en prendre que deux ou trois. Et pour le reste, je prends voilà, comme je veux, selon le maquillage du jour, etc. Voilà. J'ai quand même sorti le butter lipstick de chez NYX, qui est un rouge à lèvres qui ne tient pas des masses, mais qui est plutôt agréable à porter. Voilà, il est dans les roses un peu. Il est très sympa et je vais pas souvent vers lui. Donc j'ai dit, je le mets dans ma rotation pour l'utiliser. J'ai aussi sorti le Ink Velvet. Ça, c'est de la marque Peripera. C'est un chouette rouge à lèvres. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Et c'est un petit, c'est une petite encre en fait velours comme ça. Et donc c'est pour teinter les lèvres, mais très légèrement, vous savez, à la coréenne un petit peu. Hein, vraiment pour donner un petit voile de couleur. Voilà, avec ça, on ne fait pas de contour des lèvres. C'est vraiment juste pour donner un petit voile coloré. C'est très joli. Et c'est pareil, je vais plus souvent vers lui, moins qu'avant. Donc je l'ai remis dans ma rotation. Et pour le travail, parce qu'évidemment, il me faut quand même un rouge à lèvres pour aller bosser. Donc, avec tous les autres que j'ai aussi ressorti un de chez Kiko que j'adore. C'est, je ne sais plus quelle collection c'est celle-ci. C'est celle de cet été? Oui, c'est la Dolce Diva. C'est un petit stylo, un lipstick. J'adore ces formes, ces packagings-là. J'adore ces formats-là. Au niveau rouge à lèvres, j'adore quand c'est des crayons comme ça. Et donc, voilà, c'est un rouge à lèvres tout fin. Je me regarde en même temps sur l'écran, qui est très très discret, vous voyez. Et donc ça, pour mes jours de travail, ça va être parfait. Donc voilà, on passe aux palettes pour les yeux. J'en ai 5, parce que là, bah, c'est pareil. J'ai dit, il y en a qui vont rester quasiment tout l'hiver. Donc celle qui va rester tout l'hiver quasiment, c'est la Glam Palette de chez Natasha Denona. Elle est absolument magnifique. Elle est portable en toute occasion. On peut faire de jolis make-up, des smokies un petit peu plus voyants. On peut faire des choses très discrètes. Pour le travail, c'est parfait. On fait des liners, on fait des couleurs mates. Enfin, elle est sublime. Donc celle-là, elle va rester dans ma rotation, je pense, tout l'hiver. C'est vraiment une palette d'hiver et je la garde. Ensuite, j'ai ressorti deux palettes de chez Colourpop. Et je ne me rappelais plus qu'elles étaient si bien, les palettes de Colourpop. Elles sont superbes. Voilà. À chaque fois, les maquillages sont réussis avec. Donc, j'ai sorti la Making Mauve. Une palette de mauve, comme vous voyez, mais pas tant que ça. Parce que vous voyez, tout ça, c'est des neutres. Et c'est surtout au centre, là, vous avez quelques mauves. Et en fait, ça fonctionne toujours, un maquillage avec cette palette. J'adore. J'ai également sorti la Going Coconuts de chez Colourpop. Alors, celle-ci, elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que celle-ci, elle est dans les tons de neutre. Voilà, c'est pur neutre avec des paillettes pressées au milieu. Ça pour le coin interne, c'est absolument parfait. Ça sur toute la paupière mobile, c'est génial. Avec un petit peps là-dessus, c'est magnifique. Des couleurs mates super pour le creux de paupière. Ça, c'est le genre de palette. Vous emmenez ça en voyage, vous vous ratez jamais. C'est superbe, superbe. Donc, celle-là, je l'ai ressortie.
Et le dernier maquillage que j'ai fait avec, je me dis, pourquoi je ne la sors pas plus souvent, quoi. Elle est vraiment chouette. Et deux autres palettes, donc la Huda Beauty que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière de Fil Unique, qui est trop belle. Alors elle, j'ai sorti en fait, je ne vais peut-être pas m'en servir beaucoup ce mois-ci, mais je vais la garder pour le mois de décembre parce que je trouve que c'est une bonne palette des fêtes. Elle est hyper, hyper jolie. Elle est super belle. Elle a des couleurs, je peux vous montrer un petit peu. Elle a des couleurs, vous voyez, elles sont vraiment super jolies. Ah ouais, pour les fêtes, ça va être génial. Donc voilà, donc là je l'ai sortie, je vais faire un maquillage avec et puis je vais surtout la garder pour les fêtes. Et la nouvelle, la petite nouvelle qui vient d'arriver dans la collection de chez Kiko, de la collection permanente. Donc Kiko fait des nouvelles palettes. Ils ont reformulé leur fard. Et donc je me suis pris, bah, toujours pareil, j'aime bien les tons de mauve, parme, tout ça, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc je me suis pris cette harmonie là et je suis maquillée avec aujourd'hui. Je trouve ça super joli. C'est un peu le même genre, je trouve, la même qualité, voilà, c'est un peu le même genre que celle d'Huda Beauty. C'est vraiment très très joli, les harmonies sont très belles, il y a plusieurs harmonies de disponibles. Elle est à 13,99€, donc pas cher du tout. Ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour si vous êtes à la recherche d'une palette comme ça, de petits fards sympas, pas trop voyants et super jolis. Regardez, ça fait vraiment de l'effet, c'est super beau, quoi. Donc voilà, donc avec tout ça, les enfants, on devrait pouvoir se maquiller tout le mois. Évidemment, je me donne le droit, pareil, hein, de piocher de temps en temps sur un fond de teint que j'ai envie ou voilà, un autre produit de ma collection. Mais voilà, principalement les produits que je vais utiliser pour ce mois-ci, pour ce mois de novembre. Donc, écoutez, voilà, on a terminé. Et vous, dites-moi tout, dites-moi comment se passent vos rotations. Est-ce que vous respectez vos rotations? Est-ce que vos produits avancent? Et voilà, je veux tout savoir, ça m'intéresse. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis surtout, amusez-vous. Ciao !